Alors, l'école du Grignon, elle est à Basse-Goulaine. C'est une grosse école avec à peu près 350 élèves répartis sur 15 classes du CP au CM2. Alors, cette année, toute l'école travaille en suivant le voyage de deux reporters, Julie et Vincent, qui se rendent dans 5 endroits du monde pour voir comment les enfants s'adaptent à leur milieu de vie. Donc ils sont partis en Papouasie, en Islande, là en ce moment ils sont en Indonésie, et ils nous envoient régulièrement des photos, des vidéos, et on suit leur périple, leur voyage. Alors concrètement, on fait de la lecture, on fait de la recherche documentaire, on fait de l'anglais également pour pouvoir communiquer, parce qu'on peut aussi leur poser des questions aux enfants qui sont à l'autre bout du monde, et ils nous répondent. C'est aussi l'occasion de découvrir le métier de journaliste, puis l'utilisation de tous les médias qui peuvent exister. Alors, ce qui les surprend, ça va être les différences entre l'école, parce qu'on parle souvent de l'école, évidemment. Donc, la différence entre une école en Papouasie, dans la jungle, ou en Islande, où il y a 8 élèves par classe, forcément, ça fait une grosse différence pour eux. Et puis, le niveau de vie aussi, parfois, est surprenant de voir que des enfants ont parfois très peu de choses pour vivre et travailler aussi.